Salut tout le monde, c'est Mamoto, votre cher admin de Pokégraph. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. C'est moi qui gère le site Pokégraph. Voilà, hein, je suis à la tête de ce petit site bien sympathique, avec une équipe franchement très agréable. Et du coup, aujourd'hui, je passe devant la caméra pour quelque chose d'un peu spécial. Je ne sais pas si vous avez vu, depuis plusieurs mois, il n'y a plus trop de vidéos sur cette chaîne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, tout simplement. Donc pourquoi il n'y a plus de vidéos? Eh bien tout simplement parce que la chaîne a déménagé, si on peut dire. On a dû ouvrir une seconde chaîne au nom de Pokégraph, tout simplement pour pouvoir accueillir de nouveaux contenus. Voilà, il y a peu, on a ouvert un Twitch sur lequel on fait différents lives avec des partenaires qui travaillent avec nous, entre guillemets. Et pour pouvoir administrer du coup cette chaîne YouTube qui est un peu en relation avec ce qui est fait sur ce Twitch, il fallait qu'on puisse donner les droits aux personnes pour qu'elles puissent uploader leurs vidéos et tout ça. Et ça, malheureusement, on ne pouvait pas le faire sur la première chaîne parce qu'elle a tout simplement été créée sur le compte principal. Bon, bah, petite boulette de notre part au début, on ne savait pas et voilà. Donc du coup, on a créé une vraie chaîne YouTube. Sur laquelle on peut donner des droits pour que ces personnes puissent gérer toutes seules l'upload de leurs vidéos. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je passe devant vous pour vous dire et vous donner le lien de la nouvelle chaîne et vous demander justement de migrer sur cette chaîne, d'aller liker, d'aller vous abonner à cette chaîne si vous voulez continuer à voir le contenu qu'on publie et pouvoir toujours profiter de toutes ces vidéos qu'on vous crée et du contenu qu'on vous met. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme contenu? Eh bien, vous aurez toujours, toujours la partie de dessin, les speed paint que vous étiez habitué à voir sur l'autre chaîne. Ça, ça ne change pas, hein. Ils sont toujours là, il y en aura toujours. À ça, on a même justement ajouté, grâce au Twitch, puisqu'il y a des live art, des PG art, comme on appelle ça. Enfin, c'est la petite émission s'appelle comme ça, PG art. Et on a deux intervenantes qui interviennent deux fois par mois pour vous faire un live dessin, donc pour vous donner des astuces, pour vous apprendre des choses, mais aussi tout simplement pour partager autour du dessin avec vous pendant ces lives. Ces lives par la suite sont transformés soit en speed paint, ça donc c'est ce qu'il y en a un qui a été plus uploadé cette semaine, donc il a été transformé en speed paint, ou alors si c'est plus des soirées tuto, on verra, peut-être qu'on fera divers petits tutos, il y aura peut-être plusieurs vidéos, enfin bon voilà, on verra comment on s'organise. Mais vous retrouverez tout ce qui s'est passé lors de ces soirées en vidéo sur le Twitter, sur le YouTube, pardon. Mais évidemment, je vous invite quand même à venir voir les lives, parce que voir en live, c'est quand même assez intéressant. Et du coup, on discute et tout ce qui est dit oralement, si la vidéo est transformée en spin paint, évidemment, vous ne le retrouverez pas sur la vidéo YouTube. Donc je vous invite vraiment à venir voir le live. Les lives, il y en a deux fois par mois, et c'est le samedi soir, donc sur le Twitch de Pokégraph. Je vous mettrai tous les liens dans la description, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ensuite, donc sur ce Twitch, et du coup sur les vidéos YouTube, il y a aussi PG Actu. PG Actu, c'est tout simplement des petites vidéos assez courtes, entre une demi-heure et une heure. Ça dépend de la quantité de l'actualité qu'il y a eu dans la semaine. Et du coup, ce PG Actu, vous le retrouvez tous les dimanches à 15h, sauf cas exceptionnel, parfois c'est reporté au lundi, ça dépend s'il y a des événements Pokémon dans le week-end. Donc ça peut arriver que ce soit reporté, mais voilà, donc c'est tous les dimanches et il y a un retour sur l'actualité de la semaine autour de Pokémon, mais aussi un petit peu ce qui s'est passé sur Pokégraph, ce qu'on a pu vous proposer et tout ça. Donc ça c'est pareil, c'est sympathique parce que je vous invite à aller voir si vous avez raté l'actualité de la semaine, mais aussi parce que donc notre intervenant habituel rajoute parfois des petites infos qu'on n'a pas forcément pensé à noter sur le site ou sur les réseaux sociaux. Du coup, il y a toujours un petit peu de compléments et ça permet d'ouvrir des débats et c'est assez sympathique. Du coup, je vous invite vraiment aussi à venir voir, ça dure vraiment pas longtemps. Donc, entre une demi-heure, parfois une heure, mais c'est vraiment rare quand ça dure une heure. Enfin, ça dépend vraiment de la quantité de l'actualité. Mais je vous invite vraiment à aller voir ces lives qui ont lieu le dimanche à 15h. Même chose, donc du coup, ce live, vous le retrouverez sur la chaîne YouTube, posté dans la semaine. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, mais c'est quand même plus sympathique, d'intervenir en direct dans le chat et partager avec lui ce que vous pensez sur l'actualité, etc. Ou donner un complément d'information. Peut-être que vous avez vu quelque chose que nous, on n'a pas vu, ça peut arriver, on n'est pas parfait, on n'est pas les meilleurs. Donc,
ça peut arriver qu'on ait des loupés, donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à venir les partager avec nous dans le chat. Dernière chose, donc sur ce Twitch, il y a aussi du PG Gaming. C'est tout simplement, donc chaque vendredi soir, on a un intervenant, un partenaire, qui nous fait du streaming sur une version random Pokémon, voilà, tout simplement. Et du coup, c'est pareil, vous pouvez le retrouver pendant quelques heures, alors là c'est beaucoup plus long, ça dure en gros 2h30, facile, hein. Peut-être parfois ça pousse à 3h, mais en gros c'est ça. Et vous pouvez le retrouver chaque vendredi soir à 21h pour une soirée de gaming avec vraiment une version random. Il y a vraiment des choses hallucinantes parfois parce que les types ne correspondent pas aux types normaux, aux types normaux des Pokémon qu'ils ont naturellement. Enfin, vraiment c'est tout mélangé, c'est du random, lui-même ne le sait pas, lui aussi découvre le jeu en même temps que nous au final. Puisque ce n'est pas lui qui crée la version random, c'est quelqu'un d'autre à part, justement pour garder la surprise et pour que lui aussi il ait la surprise quand il joue à ce jeu et qu'il ait quelque chose de nouveau. Donc c'est assez sympa, donc je vous invite vraiment à venir le vendredi soir aussi pour le voir et profiter et discuter avec nous dans le chat et partager autour de ses aventures, voilà, de son héros et de son rival. Voilà. Donc évidemment, vous retrouverez aussi ces vidéos sur le YouTube de Pokégraph. Alors évidemment on va pas mettre une vidéo de 3 heures parce que sinon ce serait beaucoup trop long, mais les vidéos sont découpées, enfin le live est découpé en 5 vidéos et il y a une vidéo qui est postée tous les jours sur le YouTube et évidemment on fait de la publicité aussi sur les réseaux sociaux pour toutes ces vidéos qui arrivent sur notre YouTube évidemment, que ce soit le gaming, l'art ou l'actualité. Vous pouvez vraiment, enfin on vous informe quand il y a quelque chose de nouveau. Mais je vous invite vraiment à vous abonner quand même à la chaîne, vous abonner au Twitch, comme ça vous ne raterez rien, vous savez quand il y a quelque chose. Et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, on passe pas mal d'informations. Et surtout, n'hésitez pas à passer sur le site pour voir les news plus complètes, voilà, parce que les réseaux c'est bien, mais on met plus des informations courtes que des news bien complètes et bien détaillées. Donc n'hésitez pas à passer sur le site de Pokégraph, hein, c'est Pokégraph, c'est votre site avant tout. Nous on le gère, mais c'est pour vous faire plaisir, donc faites-vous plaisir. Enfin, venez discuter, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Nous ça nous fait plaisir quand on a votre avis dans les commentaires, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui passe, ça il n'y a pas de souci, vous passez. Mais par contre on aimerait bien un petit peu plus de commentaires, donc si vous pouvez le faire, ce serait vraiment super sympa. Ça nous ferait vraiment très plaisir et on verrait que le travail qu'on fait, on ne le fait pas juste comme ça pour que les gens viennent lire, on le fait aussi pour qu'on puisse partager ensemble autour de ce qu'on aime tous, c'est-à-dire Pokémon, voilà, tout simplement. Du coup, je vais vous mettre vraiment tous les liens dans la description, des réseaux sociaux, du Twitch, etc. Et surtout du nouveau YouTube. Donc je vous dis bien, transférez votre abonnement, hein. Vous pouvez retirer l'abonnement de cette chaîne-là, de toute façon il n'y aura plus rien dessus, ça c'est sûr et certain. Mais je vous invite vraiment à donc enlever l'abonnement de cette chaîne-là et d'aller sur la nouvelle, pour continuer à suivre les speedpain et pour découvrir nos nouveaux contenus, le PG Actu, le PG Gaming, voilà, parce que nos intervenants, nos partenaires sont là pour vous faire plaisir. Voilà, c'est pas le staff de Pokégraph qui travaille sur ces vidéos, c'est vraiment des partenaires que l'on a et il faut les soutenir et ils font ça pour vous, ils font ça pour nous tous et ça leur fait vraiment plaisir que tout le monde puisse partager avec eux cette passion et découvrir le travail qu'ils font chaque semaine pour vous. Voilà. Donc n'hésitez pas, transférez votre abonnement sur la nouvelle chaîne YouTube que vous trouverez dans la description, tout simplement. Et du coup sur ce je vous laisse. Et puis je vous dis à très vite, donc un petit peu partout, parce qu'au final on est un petit peu partout, hein, Twitter, Facebook, le site évidemment, parce que ça c'est le plus important, c'est le site. Et sur YouTube et sur Twitch. Donc voilà, donc retrouvez-nous vraiment partout. On vous attend, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez. Sur ce, du coup, je vous laisse. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye, à très vite sur la nouvelle chaîne.